Et salut à vous tous, c'est Patty Seban. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Mr. Wow. Salut Mr. Wow. Salut les gars, je suis en train de nager, je suis le battant. Ouais, moi aussi. Non, non, je rigole. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Aircraft. J'espère que ça vous fait toujours autant plaisir. Enfin, je sais même pas si ça vous fait plaisir, mais bon, bref, on s'en fout. Notre but dans cette série, comme je vous l'ai déjà dit, sauver la population qui est les dinosaures. Et aujourd'hui, nous allons visiter ce petit village qui m'a l'air fortement attaqué. Donc on va le piller, hein, tout simplement. On va récupérer toutes leurs ressources. On va les visiter ensemble, on va faire tout ce qu'il faut faire. De toute façon, parce qu'on a besoin de ressources, nous aussi. On va aller voir les villageois aussi, parce que vu qu'on a des émeraudes, des amis, ça peut être super. Salut. J'entends un zombie qui fait peur. C'est le feu. Ouais, je sais. Je l'ai trop bien imité. Oh putain. Bon, ok, je dois me battre tout seul, comme d'hab. Batisman, il fuit, là, il a peur des... Ah, il est là. Avec sa grosse tête, là. Voilà. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo où je montre des villageois à se battre contre des zombies, je vous conseille d'aller la voir. Ça peut vous servir parce que là, par exemple, ils peuvent rien faire, les pauvres. Je vais replanter quand même leur blé au moins. J'ai jamais compris pourquoi les gens en vidéo ils cassaient le blé comme ça alors qu'ils savent très bien qu'il n'est pas encore prêt. J'ai jamais compris ça, les gens qui font ça. Bref. De quoi ? Bah, leur village est génial. Ah ouais, il est super leur village. Ça, c'est un village. De païens. Bande de païens. Eux, tu sais, ils sont dehors tranquille, il fait nuit et ils en battent les steaks. Il y a des zombies qui s'approchent, normal. Voilà. Voilà. Donc, on va avoir cette petite forge, les amis. Tu viens avec moi ? Bah ouais, c'est j'arrive. Putain, y'a plein d'araignées qui sont complètement dégueulasses. Vous savez quoi, je vais même prendre leur four. Ouais, je suis un voleur. Totalement. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette forge ? Oh, génial ! Regarde-moi ça. Y'a du dilophosaure, y'a même des trucs de fossiles. Des trucs comme ça, je te laisse récupérer un peu. Une selle, les amis, la selle, je vais la prendre parce que je vais... J'aimerais bien tester de les mettre sur les dinosaures. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Non, il y a encore des champs là où vient. Oui, je sais, mais je te laisse que tu découvres la betterave. Vas-y, vas-y. Alors, il y a de la betterave, c'est super. Ça, franchement, on peut faire de la soupe de betterave. Par contre, je crois que c'est pas très très utile à un niveau bouffe. Mais ça fait de la bouffe, hein, on s'en fout. Vas-y, va le buter, toi. Ok, faut peut-être que je mange parce que j'ai plus de vie. Alors, attends, il y a encore un petit zombie qui s'approche là-haut. Le petit coquin. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Hein. Ça, ce sera... Allez, on récupère les carottes. Courgettes. Je te conseille vraiment de tout récupérer, hein. Les graines et tout, moi je prends tout. Hein, parce que... Tu me parles pas comme ça, si j'ai pas envie, je fais pas. Tu récupères. Eh ben ok, ça fera 600 euros. Ok, je te les passe demain. Passe-moi le code de ta carte bleue. Ok. Tout de suite. Alors c'est 2, 4, 8, 9. Tu notes ? Est-ce que tu notes ? Alors là, franchement, au bouffe, on est vraiment refait. Et on va partir de ce village, les amis, parce que on l'a bien pillé, mais là, les villageois se réveillent, il faudrait pas qu'ils nous chopent. Donc, on se retrouve à la maison dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Et re, les amis, donc on se retrouve après une petite séance de craft pour moi. Donc, j'ai crafté tout ce qu'il me fallait pour faire les deux prochaines machines. Donc, vous allez être contents, parce que franchement, ça a été... Du boulot encore une fois. Donc ça va aller vite à crafter, franchement. On va pouvoir utiliser ça vraiment vite. Par contre, il reste vraiment beaucoup de machines à crafter, hein, j'ai regardé. Il en reste trop, beaucoup trop. Alors, donc vous mettez ça comme ça, comme ça. Et comme ceci.
Donc le, encore un petit DNA analyzer. Et ça nous fait le DNA extractor. Donc une fois qu'on a le DNA extractor, on va pas crafter l'autre tout de suite. On va déjà poser celui-là. On va essayer de le comprendre parce que je sais même pas comment ça fonctionne. Alors. D'accord. Je sais pas comment ça marche. Je suppose qu'il faut mettre nos disquettes là. Donc on va faire celui du Galiminus, hein, bien sûr. Mais je crois qu'en fait ça fonctionnera pas tout de suite. Oh, quoi que. Non, ça fonctionnera pas. En fait, c'est pas celle-là qu'il faut crafter tout de suite. Je sais pas exactement. Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Si j'ai un doute, de toute façon, je ferai une coupure et puis j'irai voir hors caméra, les amis. Alors, il nous faut ça. Il nous faut ça. Et puis, bien sûr, il fallait le faire au-dessus parce que monsieur veut le faire au-dessus. C'est peut-être pas un comme ça en fait, c'est un comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on a le DNA combinator et hybri, je sais pas quoi. Ça me sert à combiner, du coup, je pense, les cellules. Yes, c'est ça. Donc là, on va pouvoir combiner nos petites cellules. Donc, on combine celle des Galiminus, bien sûr. Hein. Ok, parfait. Donc, je sais pas si ça va faire une DNA. J'imagine une DNA de 125%, 135%. Essaye, on verra bien. Ce serait bizarre. Et donc, une fois qu'on aura ça, bah, on verra bien. Mais de toute façon, on fait pas à pas les choses parce qu'on peut pas les faire trop vite dans tous les cas. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire peut-être une 100% du coup, je suppose. Et du coup, à quoi est-ce qu'elles servent exactement les loot machines en fait? C'est ça que je me demande. Hop. Et là, du coup, 100%. On a une petite 100%. On a une storage 10 de 100%, ce qui est juste parfait, les amis. Je suis très content. Je suis très très content. On a un Mr. Hop qui est complètement heureux. Ah oui, on peut en combiner plusieurs à la fois. C'est cool, ça aussi. De toute façon, je pense que le prochain, ça sera le para. Le para, parce que j'aime beaucoup le para en plus. Ça peut être super sympa d'en avoir. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Bah, tu vas te taire, déjà. Je voulais partir à la recherche de nouveaux fossiles parce que j'aimerais bien, en fait, tout simplement essayer de choper d'autres ADN, en fait. Il n'y a plus de steak, Mister? Non. T'as tout bouffé? Ben ouais. Ah là là. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger du pain. Allez, on mange du pain. Je vais poser tout ce qui ne me sert à rien là-dedans. C'est tout ce qui me sert aussi pour les crafts, hein, sauf l'œil d'araignée, bien sûr. Hop, on va peut-être prendre quelques torches parce que vous verrez rien du tout sinon. Parce que vous êtes quand même un peu aveugle, non? Dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas. Bref, on va faire ça comme ça. On se fait deux stacks direct, on est des fous. Hop là! Et donc, on part à l'exploration. Histoire de chercher quelques petits fossiles. Est-ce que tu veux venir avec moi? Non, je vais chercher du steak. Ok, bah va chercher du steak. De toute façon, je m'en bats les steaks de toi. Vas-y, rigole là, les gens ils vont pas rigoler sinon. Non, mais rigole déjà pas, t'es une blague, alors pas ça non plus. Ah, ça va, hein! Je suis dyslexique de toute façon. Je rigole. Moi, je suis asthmatique. Okay. Oh, le chunk, faut charger un jour. Hein. Donc là, on se retrouve au portail un petit peu maudit. On va essayer de trouver une grotte dans le coin, les amis. Oh, tu me parles pas comme ça, moi. T'es une grotte. Je te casse la gueule, moi. C'est pas vrai. Je vais m'énerver sinon. Ah, je crois qu'il y a un creeper qui a pété il y a pas longtemps ici. Ça doit peut-être être le tien quand t'es remonté de la grotte. Je crois pas, non. Si, c'est celui qui était tombé, c'est au-dessus là que tu me disais. Non. Hop, des petites citrouilles, ça peut servir. Hein. Wow.
Où est-ce qu'on va se trouver une grotte, les amis? Pas grave, on explore, hein, en attendant. C'est dingue, moi j'en ai trouvé une. C'est vrai? Bah tant mieux. Oh. J'ai confondu un creeper avec une fleur pendant un instant. La honte sur toi. Il y avait des fleurs aussi. Hein. Putain, mais le mouton il m'a poussé, il a aucun respect pour moi, s'il te plaît. Même les moutons ne me respectent plus ici. Tant personne te respecte. Ouais, ça c'est vrai. Oh, une pomme. Je suis sûr, même la pomme elle va pas me respecter si je la mange. Elle va me rendre malade et tout. Alors. Je trouve que la savane elle est quand même super grande aussi. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a de la canne à sucre, ça c'est cool, je vais la récupérer. Parce qu'il n'y en a pas partout. Hop là. Tac, 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 tac. Hop, on récupère tout. 600 cannes à sucre, hop là. Ça c'est fait. Bon, je sais pas vous les amis, mais moi j'ai faim. Non, je rigole. Bah si, j'ai faim, mais... Enfin, vous, je sais pas, quoi. Ah, il y a des chevaux ici. Sympa. J'arriverai sûrement à chercher un. Ouais, ça se trouve, hein. Juste à côté de moi. Il me suit. Il m'espionne. Non, tu me suis. Non, tu me suis. Je suis parti avant toi. Je suis parti avant toi. Bah, c'est vrai. Je suis en train de faire des crafts. Arrête de faire mou. Ça sert à rien, de toute façon, tu vas quand même mourir. Arrête de courir là. Mais c'est censé aller miner, c'est moi qui cherche la bouffe. Eh ouais, mais j'ai presque plus de bouffe. Eh, tu te démerdes, mange ta main. Je garde l'autre pour demain. Eh ben non. Toi, de toute façon, tu vas même pas miner. Et mon pied dans ta gueule. Eh ben non. Ah là. On s'amuse, hein. Putain de vache de merde. Mais je sais pas, ils sont simples, un coup tu les butes les vaches. Mais non, pas avec moi. Moi elles courent partout mon gars, elles sont là. Wouh. C'est la fête. Bah, c'est simplement que t'es nul. Ok. Donc là j'ai trouvé une grotte. Est-ce que grotte est égale à fossile ici? Bah écoutez, nous allons le découvrir. Et non, c'est une douille. C'est une douille, les amis. Non, ça va, il y a de la grotte encore. Aïe. Je me suis cassé le tibia, mais c'est pas grave. C'est les risques du métier. Ça repousse. Hein. Ouais, regardez, ça repousse. Ça repousse vite, ça quand même, hein. Par contre, ça repousse aussi, hein, les zombies. Aïe. Ah, ça rebondit sur mon bouclier. Ah, ils sont 15. Ils sont 20. Ils sont 30. Ils sont 60. Après, tu verras. Ok, je pose des citrouilles, tant pis. Est-ce qu'on est courageux? Ouais, on est courageux. Et on a réussi. J'ai rien dit. Alors. Est-ce qu'on a des beaux fossiles par là? On a un beau fossile rien qu'ici. Donc on va récupérer un maximum et puis on gardera après tout ce qu'on a récupéré. Encore ici, parfait. Enfin, on galère à en trouver d'habitude. Ok, on n'a pas... Beaucoup de chauves-souris, hein. Ah oui, ça se mange. On va juste mettre nos petits points de compétence. Je vais les mettre... Je vais les mettre dans quoi? Dans la cuisine, allez. On met tout dans la cuisine. Cuisine.
justement, je m'améliore. Il dit ça, mais il est pas mieux. Non, mais ça va pas te faire parler. Bah, si tu sais pas faire à manger. Ah, un petit fossile, cool. Hop. Oh, tu te calmes, hein. Ça le bug là. Ah, il y a un petit fossile qui était planqué là. Encore un. Hop là. Oh, tu récupères, mais c'est bien. Le mec qui s'énerve pour rien. Tout le temps. Oui, à quel point c'est pratique quand même les papiers là. Parce qu'on n'en récupère jamais sinon, c'est pas possible d'en récupérer. J'en ai miné 300, j'ai rien reçu du tout. Voire 500. Ah, il y en a juste ici. J'ai déjà bientôt plus de papier. Vous savez quoi, on va remonter parce que, de toute façon... L'épisode il va pas durer 15 ans. Allez, ellipse! J'ai plus de nourriture. C'est bien, mange! Non, mais moi je veux pas de la nourriture, je veux que tu me remontes. T'aurais pas de la pierre ou un truc? Attends, je te TP. Ah putain. Heureusement que je filme. Bon, si vous voyez que je TP, c'est normal. Hein. C'est qu'on a vraiment des problèmes comme ça. Oh putain, c'est pas possible. Juste à côté de la maison. Donc j'ai même pas besoin de reprendre le record parce que je le reprendrai avec ça. Donc les amis, j'ai récupéré en fait beaucoup de... Le brachiosaure, c'est du brachio. Attendez, je vais plutôt faire celui-là. Du brachiosaure, ouais. Donc on va d'abord s'occuper du para. Le para. C'est un bol. Enfin, c'est un bol. En fait, je me demande si avec cet ambre-là, l'ambre que j'ai récupéré, est-ce que ça, on peut pas le mettre dans une des machines? Ça, par exemple. J'ai l'impression que si, ça fait partie de ça. Ouais, ça doit faire partie de ça, les amis, parce que il rentre dedans. Mais avec quoi est-ce que je dois le mettre? C'est ça la question. Peut-être qu'il faut le deuxième. Peut-être qu'il faut mélanger les ambres ou je sais pas trop. Peut-être avec ça. Non. Avec ça. Non, non plus. Bah écoutez, je n'en ai aucune idée. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va continuer de mettre là-dedans là, des trucs. On va grinder ça. Allez, on va regarder ce que ça va donner tout ça. Alors, je me renseignerai pour cette machine parce que franchement, j'ai aucune idée de comment ça marche, mais j'aimerais tellement savoir. Il n'y a rien qui rentre dedans en fait. Je sais pas comment on extrait... de l'ambre. Ok, bah le para ça donnait que du silex, hein. Génial. Hop. En espérant que le dilo ça sera déjà un petit peu mieux. Il n'a rien du dilo encore, c'est dommage. J'aurais bien voulu un petit peu du truc de para. Alors, on creuse les doigts. Un tissu. Yes. Génial. Alors, est-ce qu'il me restait des basiques machins là? J'ai plus de basiques circuits. C'est pas grave, je vais en refaire quelques-uns. Je commence à connaître les crafts par cœur, hein, à force. Heureusement.
tu m'as fait peur, débile. Non, mais ça marche pas deux fois. Hein. Le mec, il revient 15 fois, tu sais. Comme les gosses, il recommence 15 fois la même chose. Hop, on va mettre... Ah bah si, je les avais sur moi, en fait, les basiques circuits, je crois. Hop, on récupère des petits storage disques. Peut-être qu'il faut mettre ça. Attendez, je vais essayer. Ah, t'as un cheval, génial. Après toi, pourquoi j'ai commencé 15 fois aussi? Attendez, j'ai l'impression que ça... Ah oui, ça fonctionne, c'est avec des storage disques, ok. Et qu'est-ce que ça va me faire, ça? Ah, je suis pressé de savoir. Ah, il n'y a plus d'eau, ok. Hop là. Et pourquoi t'es parvenu avec tout à l'heure? Parce que je l'avais pas. Je suis revenu chercher la selle. D'accord. Mais par contre, la selle, je l'utiliserai peut-être pour essayer de la mettre sur un dino. Quand non, je pourrais. C'est mon que val. Oh, on s'en fout de ton que val. Mine que val. Dites-lui, les gens, vous en foutez de son cheval. Vous préférez monter un dino ou un cheval? Vous préférez que Patisman décède ou continue les vidéos? Qui décède? C'est bon, c'est mon cheval qui va chercher une selle plus tard. Mec, c'était ma selle, enfoiré. Oui, mais c'est mon cheval. Hop, on met tout ça là-dedans, on va voir ce que ça va nous donner. Et ça alors, qu'est-ce que ça donne? L'ambre. Ça met 3 ans. Oh, on n'a pas fini les amis. On n'a rien obtenu sur le Brachiosaur, c'est complètement nul. Là c'est bien, ça montre un petit peu les trucs aussi, je trouve ça super cool. Alors, toi t'as fini? Ah, ça va se finir les amis. Alors qu'est-ce que ça va être? On se le demande. Suspense. Voilà. Eh bien, les amis, je pense qu'on va se laisser là en fait. Non, je rigole. On va regarder. Laisse-les là. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal en fait, ça donne... Ça donne des storage disks avec des ADN de dinosaures directement. C'est super même. Mais bon, c'est rare l'ambre, hein. J'en ai pas trouvé énormément. Ouais, c'est moi qui ai dû trouver. Donc je pense que ouais, ça, on peut passer par l'ambre en fait, ça peut être beaucoup plus simple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça peut être beaucoup plus simple. Donc là par exemple, j'ai du triceratops, ça veut dire que je peux presque avoir un triceratops peut-être. On essaiera de le mettre juste après. En fait, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va finir juste... On va juste finir de faire ça. Et puis, on se quittera là-dessus. Je pense que l'épisode, il va durer quand même un petit peu. Mais ça, je pense pas que ça vous dérange tant que ça, hein, dans tous les cas. Alors, Tyrannosaure 60%. 100%. On a eu un 100%. Ok. Ah, Tyrannosaure 100%. Un Dilophosaure 75%. Ok, bah, très bien. C'est parfait, hein. Moi je dis pas non. Tu dis non toi? Non. On a eu un T-Rex. Arrête, j'ai eu peur que ce soit un mob. C'est et bah du coup les amis, on attend sur ça. On attend sur ça. En tout cas... Ok, téléportation? Ouais. J'espère en tout cas que la série vous plaît toujours autant. En tout cas que vous ne vous ennuyez pas. J'essaierai de toute façon de bien condenser les vidéos histoire qu'elles soient toujours intéressantes. J'ai entendu un petit zombie, je crois, non? Non, t'as juste reçu des steaks. Ok. On dit merci quand on est mal poli. Ok, un Dilophosaure 65%, ça veut dire qu'on peut se faire un 100%, les amis. Et ça c'est cool, hein, quand, je pense que c'est plus simple de commencer par un Dilophosaure au niveau de la garderie. Ce que je ferais c'est que je transformerais déjà les autres ambres et compagnie, j'en ai 5 donc ça en fera. Et puis on verra ce que ça aura donné la fois prochaine. Hop.
Tac. Donc franchement, au niveau des fossiles, je sais pas si on s'en servira des fossiles, parce qu'avec l'ambre, ça peut être beaucoup plus simple. Je sais pas. Ça peut toujours être fun, hein, mais si on trouve des fossiles, on les récupérera, mais bon. Alors, 95% Triceratops et 75% Vélociraptor. Alors, en sachant qu'un Triceratops, on en avait déjà un là, donc on va pouvoir le fusionner. Et Vélociraptor, je ne crois pas qu'on en avait. Hein. Non, on a Tyrannosaure, on est Tyrannosaure. Ok, donc on a un Dilophosaure complet. On va faire le Triceratops maintenant. Ça commence un petit peu à venir, hein, les amis, là. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Alors, je suis curieux, je suis très curieux. De toute façon, ce que je pourrais fusionner hors caméra, je le fusionnerai, comme ça je vous montrerai ça tranquillement. Alors, un Dilophosaure 80%, ok, c'est cool, c'est parfait. C'est parfait, c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Ok, ben les amis, écoutez, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le partager, à le liker, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment sur cette série. En tout cas, nous on s'amuse bien. Et puis moi, je vous dis du coup, à la prochaine. C'était Patisman et Mr. Wow. Salut les gens. Allez, bye bye.